On vous rattrape. Vas-y, bordel. Prison de Louvain, 25 février 2003. Mais quel siffle, enfin ! Au milieu de la cohue, un homme qui vient de passer 17 ans en prison. Condamné à la perpétuité en 1988, Pierre Carrette était le dernier des quatre membres des cellules communistes combattantes à être encore incarcéré. Pascal Van de Gerde et Didier Chevollet ont purgé 14 ans de prison. Bertrand Sassois a été libéré après 15 ans d'incarcération. Allez-y, on vous rattrape. On vous rattrape. Ce matin, Carrette retrouve notamment Bertrand Sassois, qu'il n'a plus revu depuis le procès. C'était il y a 15 ans. Lorsque vous revoyez Bertrand Sassois à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis bonjour, camarade. Parce que, voilà, vous savez, les sentiments qui peuvent nous unir, bon, c'est notre vie privée, je veux dire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'en parler. Oui, nous étions des militants communistes qui étions restés solidaires, étions restés unis pendant toutes ces années de détention, donc une durée très très longue. C'est un grand bonheur de retrouver ses camarades. À peine sorti de prison, Pierre Carrette reprend ses activités politiques. Il ne lui est pas interdit de participer à des manifestations, à des actions politiques, pour autant que cela reste légal. Les ex-CCC n'auraient jamais accepté des restrictions de leur liberté d'expression. Vous restez militant, en fait. Évidemment, c'est... Militant et communiste, parce que militant c'est un terme un peu vague, mais oui, je suis un révolutionnaire communiste et je reste révolutionnaire communiste. Alors toutes les années que vous avez passées en prison, vous ne vous êtes pas dit à un moment donné il faut arrêter, rentrer dans le rang? Que du contraire, je me suis dit la cause pour laquelle nous combattons, la cause pour laquelle nous acceptons des sacrifices, et la plus belle des causes, c'est la cause du peuple. Et pour cela, il ne sera jamais pour moi question d'arrêter. La manifestation qui se déroule cet été dans les rues de Bruxelles est pacifique. C'est une action de soutien à la grève de la faim menée par les prisonniers politiques en Turquie. Ces prisonniers protestent contre les mesures d'isolement qu'ils subissent. La grève de la faim dure depuis 1000 jours. Elle a déjà fait 107 morts. Aujourd'hui, Pierre Carrette et Bertrand Sassois ne sont plus harcelés par une meute de journalistes. L'événement n'intéresse pas la presse. Cette manifestation ne suscite même pas d'embarras de circulation. Carrette et Sassois, eux, ne pouvaient qu'être là aujourd'hui par solidarité, parce que eux aussi estiment avoir été des prisonniers politiques, en appelant à la lutte armée en Belgique. Est-ce que vous avez renoncé à cette lutte armée? Non. Par principe, non. Mais pour nous, il n'a jamais été question pour nous d'en faire une exclusive. Donc on a toujours défendu l'idée d'employer les moyens d'action légaux quand il y en avait. Simplement, ils ne suffisent pas. Les CCC pourraient être réanimés et revivre? Les CCC, c'est une organisation qui a été détruite, c'est une organisation qui ne s'oppose plus en ces termes-là. Mais tôt ou tard, la question révolutionnaire en Belgique va reposer la question de la violence et de la lutte armée. Oui. Je m'en parle. Vous avez renoncé à la lutte armée? Sur le plan théorique et politique, certainement pas. Je continue à penser que la révolution passe par une pratique de violence. La question, c'est de savoir quand et comment. La lutte armée de l'avant-garde prolétarienne, la Belgique la découvre le 2 octobre 1984. Une explosion ravage les locaux de la société Litton International à Evere. L'attentat est revendiqué par une organisation jusque-là inconnue, les cellules communistes combattantes. L'objectif est ciblé. Litton est l'un des principaux fournisseurs d'armes à l'OTAN. Litton n'était pas simplement un fournisseur d'armes de l'OTAN, c'était le concepteur et le fabricant du système de navigation des missiles cruise que les Américains installaient justement à Fleuren. Cette action-là et les actions suivantes ont chacune visé des fabricants d'armes directement impliqués dans ces missiles-là. Donc Honeywell fabriquait le système de guidage et MAN fabriquait le camion érecteur-lanceur des missiles Pershing que l'OTAN allait installer en Allemagne. Donc il s'agissait d'actions directement adressées au mouvement de masse qui s'opposait
à l'installation des missiles américains. Mouvement de masse, il faut rappeler, rassembler jusqu'à 400 000 personnes dans la rue, c'est des rassemblements comme on n'en avait jamais vu, comme on n'en a plus jamais vu dans les manifestations. Mais on voyait même les bonnes sœurs qui défilaient. Le jour de cette grande manifestation anti-missile sur Bruxelles, les CCC commettent un attentat contre la voiture de Paul Galland, l'organisateur du rassemblement. Un message adressé aux pacifistes. Notre mouvement est un mouvement largement démocratique, profondément populaire, et n'importe qui est bienvenu dans notre mouvement, que vous soyez un bourgeois, que vous soyez un ouvrier, que vous soyez un prêtre, que vous soyez quelqu'un de la moralique, vous êtes les bienvenus dans un mouvement qui veut construire un monde de justice sociale, de paix et de développement pour le tiers-monde. Quelle est alors votre réponse aux CCC qui vous ont frappé ce matin ? De ne pas se tromper et de croire que nous sommes encore dans un pays démocratique et que le débat doit être profondément démocratique, que le débat doit être une victoire pour l'avenir et pas simplement la satisfaction de certains petits coups à bon marché pour l'instant. Galland était représentant d'un courant hégémonique qui était justement un courant réformiste bourgeois dont le projet était de dire... Il suffira de faire des manifestations de masse assez importantes que pour que cela fasse pression sur nos représentants, sénateurs, députés, qui naturellement, devant l'unanimité populaire, voteront contre l'installation des missiles. Ça fonctionne comme ça dans un régime démocratique. Sauf que les missiles ont été installés et qu'on a appris que les Américains les avaient débarqués à la base de Florennes avant même que le vote au Parlement ait été fait. 15 octobre 1984, les CCC attaquent une autre cible, les partis au gouvernement. À Gand, les bureaux du Premier ministre Wilfried Martens volent en éclats. À Ixelles, c'est le siège de la Fondation Jean Rey, la fondation libérale qui explose en pleine nuit. Aucun des membres des CCC n'a reconnu avoir participé à une action particulière. Toutes ont été revendiquées à titre collectif. Pour Bertrand Sassois, sa présence rue de Naples aujourd'hui n'implique donc pas une reconnaissance des faits pour lesquels il a été condamné. L'action s'était passée au moment où il y avait un grand tournant dans les politiques gouvernementales en Europe, où on a commencé à démanteler tout ce qui était acquis sociaux, notamment la liaison des salaires à l'index, toutes les protections contre les licenciements, les protections des délégués syndicaux. C'était le tout début de cette vague, dans la foulée de la même vague qui avait eu lieu quelques années plus tôt en Angleterre avec Thatcher. Et c'est dans ce centre d'études-là qui avait forgé cette doctrine, qu'il avait pensée, qu'il avait théorisée, à l'usage de tous les partis libéraux en Europe. Donc le centre Jean Rey, c'était l'échelon européen, et le centre Paul Emmans, qui est situé dans le même immeuble, c'était le niveau belge de cette organisation. Il est chargé d'appliquer cette doctrine, enfin d'adapter cette doctrine à la réalité belge. Et c'était vraiment une doctrine de régression sociale. Alors faire sauter ce centre, c'était dans le but de créer une sorte de terreur. Vous étiez des terroristes ? Non, ça n'a jamais été ça. Je ne comprends pas comment on puisse encore répéter ça. À l'époque, c'était surtout le gouvernement qui était terroriste. C'était le gouvernement qui avait décidé de supprimer les allocations de chômage, des trains entiers de licenciement. C'est le gouvernement qui accueillait aussi les bombes atomiques en Belgique, qui collaborait avec les États-Unis pour préparer une guerre contre l'Union soviétique. Et voilà, on participait à un mouvement de résistance et de lutte contre cette politique. Et à partir du moment où les cellules se sont attaquées aux partis gouvernementaux, le Parti libéral était naturellement parmi les premiers visés. Deux jours après, je pense que c'est le siège du Parti social-chrétien flamand qui a été visé à Gand. Et c'était le bureau du Premier ministre qui a été touché là. Ici, il y a eu beaucoup de dégâts, mais pas de blessés. Non. C'était une volonté, ça. Oui, le communiqué avait expliqué comment l'opération s'était faite. En fait, il y avait des gens qui vivaient tout au-dessus. Donc la charge avait été introduite, c'était une charge limitée qui avait été introduite au niveau du rez-de-chaussée. C'était le but de ne pas blesser des personnes ? Ah oui, non. Le but, c'était de faire l'action, mais il ne fallait pas blesser des personnes. Après l'attentat contre le CVP à Gand, la police lance l'opération Mammouth. Une centaine de perquisitions frappent les milieux communistes et anarchistes. Un avis de recherche est lancé à l'encontre de Pierre Carrette, le cerveau présumé des attentats. Mais les CCC demeurent introuvables. Pierre Carrette vit depuis longtemps dans la clandestinité, tout comme Bertrand Sassois.
L'action Mahmoud n'a en rien approché les cellules communistes combattantes. Et les camarades qui avaient des relations, qui avaient toujours une existence légale, et qui étaient des gens qui avaient des contacts ou qui collaboraient avec les structures clandestines, si même certains ont été repérés, perquisitionnés, interpellés par la police à cette occasion-là, aucun lien n'a pu être établi entre eux et l'organisation. La police à ce niveau-là, l'opération Mahmoud en tout cas, est un échec dans la lutte contre les cellules. Mais la structure de l'organisation était clandestine. C'était des appartements loués sous des faux noms, avec des faux papiers. À l'époque, il y avait au moins deux personnes qui étaient dans la clandestinité complète pour gérer ces structures. Voilà, ils ont remonté le filet, ils n'ont rien trouvé. Faux papiers, appartements loués sous de fausses identités, véhicules, garages, la clandestinité coûte cher. Comme face à tout problème, les CCC avaient trouvé leur solution. Les moyens financiers et les moyens matériels de la lutte sont réunis par la solidarité, par les participations des gens qui partagent les idéaux du combat. Et ce n'est pas un secret, les cellules l'ont évoqué elles-mêmes, une série d'opérations que nous appelons dans notre jargon des expropriations prolétariennes, c'est-à-dire des saisies d'argent, qui retournent exclusivement à la lutte et jamais à des gens en particulier ou à faire des attaques armées, des hot-dogs. C'est-à-dire des saisies d'argent dans des institutions bancaires. Ce qui est immoral, c'est le vol. Et le vol, c'est ce que font les banques. Ce qui est très moral, c'est de rendre à ceux qui sont volés ou de restituer à ceux qui sont volés, et à travers la qualification de la lutte révolutionnaire, ce qui leur a été volé. Le 11 décembre 1984, les CCC signent une de leurs actions les plus spectaculaires. Ils font exploser l'oléoduc de l'OTAN à Clabecq, mais aussi à Glon, à Gastuche et à Anzival. Quatre attentats parfaitement orchestrés sur des objectifs situés aux quatre coins de la Wallonie. L'ampleur de l'organisation surprend les policiers, les responsables politiques, les journalistes. Comment les CCC connaissaient-ils la localisation des pipelines de l'OTAN, si ce n'est avec l'aide du KGB, des services secrets soviétiques? C'est Bobard et bien d'autres pour cette action et pour les suivantes. Frapper sur le même clou, essayer d'enfoncer le même mensonge, à savoir qu'en Belgique, les révolutionnaires sont tout à fait incapables de mener une action comme ça, qu'une action révolutionnaire indigène n'a pas de sens en Belgique, alors forcément, il faut que ce soit une provocation de la droite, l'action directe ou la faction armée rouge qui débarque, la Stasi ou le KGB qui agit, Kadhafi qui manipule, Abou Didal qui s'installe, enfin tout ce genre de choses. Un peu toute cette... C'est cette volonté acharnée de nombreux médias de ne pas affronter les cellules telles qu'elles étaient réellement, à savoir un groupe de révolutionnaires en Belgique qui s'était organisé de manière autonome et qui s'était donné les moyens de leur action, procède de cette même logique, un véritable déni de réalité. Le truc, il est tout bête, les oléoducs qui sillonnent le pays. Chaque fois qu'un gazoduc ou un oléoduc traverse une route, il y a un petit chapeau en plastique orange qui signale au conducteur d'engin que le truc passe et qu'il faut passer un coup de benne dedans. Et puis voilà, sur ceux de l'OTAN, il y a le numéro de téléphone de la base de l'OTAN où on est censé appeler quand il y a un accident. C'est d'une simplicité biblique. Le 1er mai 1985, c'est le drame. Une camionnette piégée explose dans la rue des Saules à Bruxelles. L'attentat vise le siège de la Fédération des entreprises de Belgique. Pour les CCC, c'était l'action symbolique en ce 1er mai. Mais l'attentat va faire des victimes. Malgré les tracts lancés autour de la camionnette, malgré un avertissement téléphonique à la gendarmerie pour annoncer l'explosion, des pompiers sont envoyés rue des Saules. La camionnette explose alors que 5 soldats du feu sont autour du véhicule. Jean Gol, alors vice-premier ministre, rencontre la presse sur les lieux de l'attentat. Ils ont été jetés. Prévenez vos collègues et fuyez immédiatement sur la rue et au plus loin. Ça, mais c'était à quelques mètres. Pas eu le temps, on n'a pas ça. Et puis dans l'honneur, on ne s'est pas vu. C'est de la fausse humanité.
Il est 4 heures du matin lorsque Francis Boileau, le porte-parole des pompiers, dispose du terrible bilan. Il y a 2 morts et 3 blessés graves parmi ces hommes. C'est vraiment toute la première équipe qui a été décimée, qui a été fauchée. Et nous sommes assez atterrés parce que nous avons des appels pour voitures en feu très fréquemment. Le combat des pompiers était déjà très difficile. Maintenant, il est devenu totalement inégal. La première réaction, c'était une réaction d'incompréhension. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce que ces pompiers faisaient là? Qu'est-ce qui les a prévenus? Qu'est-ce qui les a amenés là? Pourquoi sont-ils venus? Parce qu'ils ont été appelés par la police.